Kylian Mbappé a chambré les supporters de Brest et les gens font une polémique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voulais te donner mon ressenti par rapport à ce chambrage, par rapport à cette polémique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fond, on est parti. Alors, les amis, Kylian Mbappé, il a chambré les supporters de Brest. Est-ce qu'il aurait dû le faire? Moi, je pense que Kylian Mbappé, c'est un humain, les gars. Avant d'être un joueur de classe mondiale, c'est après tout un humain. Et lorsque tu es humain, tu es parfois tenté à faire certaines choses. Kylian Mbappé, les amis, c'est un joueur qui n'aime pas chambrer. Si vous voyez Kylian chambrer, ça signifie que le camp d'en face a vraiment abusé. Ils ont abusé de Kylian, les gars. On attaque son ami Hakimi, on l'attaque, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et beaucoup estiment que il aurait pu ne pas répondre aux supporters au-dessus de tout cela, mais c'est facile de le dire, hein. C'est facile de le dire lorsque on est dans une situation, c'est trop facile. Lorsque ça nous concerne pas, on dit que non, il aurait pu être au-dessus de cela. Bref, on raconte un tas de choses, on raconte un tas de choses. Moi, je pense que Kylian Mbappé, c'est un jeu qui n'aime pas chambrer. Lorsque tu vois Kylian répondre, ça signifie que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Donc, Kylian Mbappé, il a fait un post sur Instagram en disant qu'il a fait parce qu'il estime que c'était nécessaire. Moi, je le comprends. Après, certains vont en faire une polémique. Il n'a pas tapé quelqu'un. Il a juste réagi au supporter. C'est juste une réaction. Sans bourser quelqu'un, sans taper quelqu'un. Du chambrage dans le foot, il y en a. On se chambre, mais sans violence. Sans violence. Donc, tant que ça se fait sans violence et de manière éthique, moi, je ne vois pas le problème. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.